Écoutez, je vous accueille avec un Chardonnay 2019. Donc c'est un vin de France, hein. Il n'est pas en appellation. Le vignoble est limitrophe de l'appellation, mais il n'est pas sur l'appellation. Ça a été mis en bouteille avant les vendanges 2020. Alors, c'est une petite parcelle qui est derrière la voie ferrée. Vous avez un petit îlot de parcelle en appellation là. Et puis il y a un chemin qui arrête l'appellation, je suis de l'autre côté du chemin. Mais voilà, c'est une vigne qui a 70 ans, qui est sur des sols argilo-limoneux. Les calcaires sont loin là, puisqu'on a des grandes marches d'escalier. Et quand vous passez la voie ferrée, de l'autre côté, les calcaires sont déjà assez bas. Si vous faites 8 km à l'est, les calcaires sont à 2 km de profondeur. Pour vous dire qu'il y a une grosse fracture, c'est en fait la vallée de la Saône hein, qui nous sépare de... On appelle ça le fossé Bressan, la vallée de la Bresse, qui nous sépare du Jura, quoi. Il y a un effondrement. Je comprends une chose, on a remarqué, surtout en Côte d'Ivoire, les vignes sont toujours beaucoup âgées, là vous avez dit 70 ans. C'est un choix qui est lié à la qualité, parce que ça donne des raisins. C'est un choix de qualité, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une recherche quantité de produits, on est dans une recherche qualité de produits. Et c'est vrai que ces vieilles vignes, déjà, elles ont des enracinements qui sont très intéressants, parce qu'elles vont vraiment au contact de la roche, au plus profond. Et puis, en même temps, on était sur des variétés anciennes, qui étaient des sélections massales. Très qualitative, ce qui a été replanté, donc ça correspond en fait aux replantations post-phylloxériques. Ah, Phylloxera a nettoyé le vignoble à la fin du siècle, enfin il y a deux siècles maintenant, à la fin du 19e. Et les plantations se sont refaites beaucoup entre les deux guerres, et puis la tranche importante aussi, ça a été les années 60. Voilà, mais tout ce qui a été replanté après les années 60, c'est beaucoup fait avec du matériel clonal, notamment quand on s'est approché des années 75, 80, et les clones, c'est quand même pas terrible. Hein, oui. Des choses qui sont, manquent un petit peu de personnalité. Donc ça a été... moi j'ai la chance d'avoir repris de mes grands-parents, ça a sauté une génération ici, et mon grand-père a replanté toutes ces vignes entre les deux guerres. Donc j'ai beaucoup de vignes qui sont presque centenaires, qui ont 70, 75 ans. Pour un patrimoine qui sera certainement intéressant pour les générations qui vont nous suivre. Donc il faut conserver aussi, être sans collection un petit peu. Mmh. Là ils sont déjà, je crois, en train de les passer l'autre jour chez... à Savigny, ils sont en train de réétudier, on ne sait pas trop, tous les vieux cépages. Voilà. En fait, voici les clones, ils sont un peu plus résistants. En fait, on s'est associé pour... Il y a deux opérations qui ont été faites. Il y a une association de sauvegarde du Pinot Noir qui a été faite il y a maintenant une vingtaine d'années. On s'est soucié de ça, de l'avenir de nos variétés. Et beaucoup de viticulteurs avaient fait des collections chez eux, et, des sélections massales. Et on a mis ces sélections massales en commun. Voilà, pour faire un grand réservoir, avoir une grande diversité aussi, et puis pouvoir offrir aux générations qui nous suivront cette grande diversité. Et puis, la deuxième chose qu'on a fait, c'est une sauvegarde des cépages anciens, parce que le Pinot, il n'y a pas eu que le Pinot et le Chardonnay qui ont été cultivés en Bourgogne, traditionnellement. Il y a toute une multitude de cépages, et ces cépages, ils étaient plus ou moins cultivés, des fois sur des vieilles vignes qui allaient être arrachées, donc on a dit ça, il faut sauver. Et puis, il y a eu le domaine de Vassal, qui était à Montpellier, pareil, qui a arraché une bonne partie de sa collection, pour faire des travaux, refaire des bâtiments. Et alors on s'est dit là, il faut absolument sauver ça, puisqu'il y avait une collection qui existait au lycée viticole de Beaune qui a été arrachée. Et il restait pratiquement que cette sélection, cette collection à Montpellier. Donc on a racheté tout ce qui avait existé un jour en Bourgogne, qui était présent là-bas, on a racheté ça. Et on l'a mis en collection au-dessus de Beaune, à Savigny. Voilà, au Mont Batois. Et puis bah, tous les ans, juste avant la période de vendange, on va se faire un petit tour, on va grumer chaque variété et puis essayer de se rendre compte un peu de ce que ça peut donner. Voilà, des choses très intéressantes. Donc ça, le Chardonnay, bah, cette cuvée-là, elle est travaillée, on travaille sans soufre, hein, toute la vinification. On fait un petit calage juste un mois avant la mise en bouteille. Le maximum des souffles ajoutés en Bourgogne ici. Alors, l'appellation, bah nous on est en biodynamie, on est Déméter. Donc Déméter, c'est assez restrictif, mais ça doit être quand même... Déméter, ça doit être 70 mg en rouge, je crois, et ça doit être un peu plus en blanc. Mais nous, on se donne un objectif maximum 30-35. C'est-à-dire qu'on est... On sait que si on ne met pas de soufre, on en aura quand même dans le vin, puisque les levures produisent du soufre. Oui. Ah ouais, c'est un effet killer. Et elles vont se faire un petit peu la compétition en début de vinification.
Et donc elles vont produire du soufre. Et moi je me suis aperçu, j'ai fait des essais. Moi j'en, enfin si j'en mets pas, j'en ai. Et des fois j'en ai plus que si j'en mets. Parce que si j'en mets un petit peu en début de cuvaison pour sélectionner mes levures et dire par exemple je veux que les Saccharomyces qui sont un tout petit peu plus résistantes au soufre que les levures apiculées par exemple, qui sont pas très intéressantes du plan gustatif, si je veux sélectionner avec une petite dose de soufre, la, comme c'est du soufre naturel, dans le métabolisme de la fermentation, il disparaît. Il est consommé comme nous on respire à l'atmosphère avec du carbone, d'oxygène, d'hydrogène, des composés soufrés, des choses comme ça. Donc c'est métabolisé par l'organisme comme une substance. On a besoin du soufre aussi, donc comme une substance. Il n'est pas vu comme un toxique, comme une toxine. Donc il ne reste pas en résidu, il est consommé quoi. Et si j'en mets pas, donc la levure va en produire plus. Et je vais me retrouver avec des fois 10 ou 15 mg de soufre sans en avoir mis. Et quand j'en mets, j'en retrouve pas. Ça, c'est une vieille vigne qui est presque centenaire, elle a 96 ans. Elle est située tout près de la parcelle de Chardonnay, à peu près à 50 mètres. La seule différence entre l'élevage, les deux vins, c'est pareil, on travaille sans soufre là-dedans jusqu'à la mise en bouteille, c'est que le Chardonnay est élevé en fût, que des fûts de 3-4 vins minimum, et la Ligoté, lui, il est élevé en cuve. Vous allez voir, ça donne un aligoté assez gras. Hein, c'est essentiellement l'aligoté doré. Alors l'aligoté doré, c'est pas une variété, mais elle est... Enfin, c'est une variété qui a été baptisée comme ça par la famille de Vilaine quand ils ont replanté le vignoble de Bouzon. Parce que à pleine maturité, c'est un raisin qui prend des reflets un peu rosés et ouais doré comme ça. Il n'est pas blanc, il a un côté doré, un peu ambré, un peu. Ça donne un aligoté assez riche. Je le fais déguster après le chardonnay pour ça parce qu'il a ce côté large, riche. Bien, ouais, c'est un beau cépage. Bon, il a souvent contre lui le fait qu'il a été planté dans la situation où on n'a pas mis de chardonnay. Ah ok. C'est-à-dire on l'a mis en plaine, sur des situations assez fertiles, assez productrices. Ou alors on l'a mis dans les hautes côtes. Alors maintenant les hautes côtes c'est plutôt des beaux lieux où la maturité vient bien, mais il y a une période où dans les hautes côtes la maturité était quand même assez difficile. Donc vous voyez, quand il est récolté bien vert, ça ne faisait pas toujours les meilleurs vins. C'est souvent un peu vif, un peu vert, un peu végétal. Mais quand il est mis dans des beaux lieux, ça fait vraiment des très beaux vins. Et d'ailleurs, si vous prenez des vignobles comme les cortons Charlemagne, tout le monde sait que les cortons Charlemagne, il y a dans le cépagement des vieilles vignes, il y a une proportion d'aligoté souvent assez importante. Il n'y a pas que du chardonnay. Ah oui. Parce que les anciens savaient que l'aligoté allait amener cette fraîcheur aussi, ce fruit. Et dans les décrets d'appellation, quand on lit les décrets, vous avez une tolérance. Hein. Ça dépend des communes, ça dépend des ODG. Ah, okay. Là, ça varie d'une ODG à l'autre. Mais en général, ça peut être 5, 10, jusqu'à 15%. Ah, ouais. Voilà. Okay. Comment ça va dans les vignes maintenant? C'est compliqué, hein. Allez, après, la deuxième pousse, elle est peu fertile, quoi. Le problème, alors, on n'est pas inquiet sur la pérennité de la vigne, mais on est inquiet sur la production de l'année, parce que bon, la deuxième pousse, elle est très peu fertile. Donc le bourgeon de l'année et le contre-bourgeon, souvent, ils ont pris les deux, quoi. Donc là, tout ce qui a été essayé, les éoliennes, les brassages d'air, même les bougies, il y avait du vent, donc les bougies, les flammes étaient couchées, souvent ça brûlait le cèpe à côté, puis ça réchauffait pas l'ambiance. Bah bon, enfin moi j'ai pas mis de bougies, parce que bon, j'aime pas trop ça, mais après voilà, quand faut sauver la récolte, les gens sont prêts à tout, mais bah, c'est une petite pollution aussi, quoi. Donc, et donc on a fait un mélange de plantes, nous, on a essayé d'origan, un mélange d'origan, de thym, thym serpolé, et puis de sarriette des montagnes, qui est donné jusqu'à moins 4, mais bon, il y a... C'est descendu à moins 6. On voit les différences quand même, parce qu'on a laissé des témoins où on n'a pas fait la pulvérisation pour comparer. Donc on a vu un effet, mais c'est pas spectaculaire non plus. Quoi. Voilà. Et vous êtes plutôt sur du fût neuf ou Non, on est sur une proportion de fût neuf. Les villages entre 15 et 20% de fût neuf. Et les premiers crus, on va à peu près, on vise 30 à 40% maximum. Et puis, un corton, c'est pareil, les grands crus, on est entre 40 et maximum 50%. Alors, c'est jamais facile parce que pas couper les pièces, et quand on a 4 pièces de corton, c'est du 50%. Quand on a 5 pièces, on arrive à faire 40%. Donc, ça, c'est la combe brûlée. La combe brûlée, on bouge peu finalement, puisqu'on vient juste ici. Vous voyez. On est dans l'île de la combe. Et alors on bouge peu, puis on bouge beaucoup en même temps parce que au niveau géologique, on fait à peu près un voyage de plusieurs dizaines de millions d'années. On passe sur des calcaires qui sont très différents. Voilà,
appelle ça des calcaires à chaille avec ces formes fossiles dedans, ça s'en est aussi. Et en fait ça c'est des anciennes éponges marines. Et ces éponges marines, leur squelette c'est beaucoup de silice. C'est 85% de silice. Quand je frotte ça, vous avez une petite étincelle, si vous avez vu. Et puis il faut mettre le nez dessus. Sans la bière à fusil, c'est... Vous voyez, c'est marqué, là, quand on passe les charrues là-dedans, on a cette odeur qui... D'où le nom comte brûlé, parce que brûlé, c'est burning. Yeah. Hein, c'est la pierre brûlée. Ouais. Ouais. Donc c'est, la comte brûlée, elle est plus froide que les Hautes-Beaumont, hein, puisque cette petite combe, il y a des écoulements d'air froid qui viennent depuis le haut de la combe, hein, ici, le fond de la combe. Et ces courants d'air froid viennent comme ça... déversé sur la parcelle et donc ça donne une maturité beaucoup plus tardive. J'ai eu au moins une semaine voire 10 jours d'écart entre les vendanges des deux parcelles. Souvent je fais mes cortons, après je viens ici faire les Hautes-Beaumont et quand je termine par ma combe brûlée. Ouais. Je me suis installé il y a 35 ans. Les vendanges avec mes grands-parents, c'était très souvent à cheval sur septembre-octobre. Ouais. Et quelquefois on vendangeait le 10 octobre. Et aujourd'hui, c'est à cheval sur août-septembre. Hein. C'est mieux, on va descendre dans les Hautes-Mézières. Donc les Hautes-Mézières, quand vous êtes à Vaulx-en-Romanée, c'est à hauteur d'église de Vaulx. Si vous sortez de Vaulx en direction de Vougeot, vous allez passer en bas des Saint-Denis de la Croix-Rameau. Et vous avez les Suchots. Et les Hautes-Mézières sont juste en dessous des Suchots. Okay. Il y a une espèce de marge d'escalier dans les calcaires là. Et on est sur des calcaires, ce qu'on appelle des calcaires à anthrope ou à trilloïde. C'est ces calcaires là. Voilà. Ils ont des. On trouve beaucoup de petits fossiles comme ça. Ça, c'est des fossiles d'oursins. Ah, ouais, bon, il a perdu ses piquants là. Mais... voilà. Là, on a des sols très argileux ici. Dépisse un peu des notes de garrigue un peu, avec on se travaille un peu dans le thym, la lavande. C'est plus délicat dans le haut du verre, on a un petit côté violette un peu plus. Et les argiles, ça amène de la chair, donc les vins prennent l'âge des joues, remplissent les joues plus facilement. On y perd souvent dans les argiles, on y perd en qualité de soyeux, mais on gagne en chair, on gagne en volume en bouche. Okay. On va faire deux chambolles. Donc les Noireaux, c'est un Chambol qui est au nord de Chambol. Il est en dessous des Bonnemares en fait, entre les Beaubrins et les Bonnemares. Et là on a des sols qui sont très argileux, sur des calcaires en troc, un peu ceux qu'on avait dans les Hautes-Mézières, mais vous voyez, ils sont très colorés parce que c'est des sols qui sont riches en oxyde de fer, qui sont riches en manganèse, riches en magnésium. Et ça donne des vins qui ont cette certaine puissance pour des Chambols, un côté peut-être un peu plus masculin. Plus pour Marc et Chambol. Voilà, c'est ça. Et si vous, en fin de bouche, vous allez, c'est pas les mêmes équilibres que dans les autres vins. En fin de bouche, vous allez remarquer peut-être une petite amertume, un petit côté orange sanguine, des notes comme ça. Et cette petite amertume, j'ai souvent échangé avec des vignerons italiens qui me disent, parce que les Italiens, vous savez apprécier les amers. Et en France, souvent, amer, c'est péjoratif. Amer, c'est pas toujours bien apprécié. Nous, on a l'acidité pour compenser les sucres. Mais dans les climats un peu plus solaires, des fois, elle fait défaut, l'acidité. Et c'est les amers qui vont aider à faire l'équilibre. Et ici, quelquefois, je trouve la fin de bouche, vous avez une fraîcheur d'amertume, noble, hein, mais à Combe d'Orvault, donc c'est toujours Château de Musigny, on est au sud de Chambol. Ça, c'était classé Grand Cru avant le phylloxéra, c'était en tête de cuve. C'était le même classement que les Musigny. Ah, ok. Et puis, quand mon grand-père a replanté, il n'a pas fait la demande de classement. De Grand Cru. Donc, c'était déclassé en premier cru. Donc, je suis allé voir le géologue de l'INAO pour lui demander, parce que je ne savais pas ça. Ce vin-là, il sort toujours... c'est les bouteilles qu'on met en cave, qu'on garde 30 ans, 40 ans ou plus. Ouais. Et donc, le géologue de l'INAO, et quand je lui ai posé la question du pourquoi, pour pas classer Grand Cru, il a sourire au coin des lèvres, et puis il dit, venez avec moi, je vais vous montrer quelque chose. Et il m'emmène dans un bureau où il avait des cartes du milieu du 19e siècle et la parcelle est en couleur pourpre, c'est-à-dire en couleur grand cru, quoi, tête de cuir. Et mais pourquoi aujourd'hui c'est pas grand cru? Et il m'a expliqué que c'était une démarche administrative qu'il fallait faire. Alors mon grand-père était encore en vie, et je lui ai dit, mais pourquoi tu n'as pas fait? Il m'a mis dans le contexte de l'époque.
en période post-phylloxérienne, quand même, c'est très difficile. Hein. Il y a les guerres, il y a tout ça. Ouais, bien sûr. Et puis mon grand-père, il a perdu son père à 14 ans. Donc il dit, j'ai été déscolarisé parce qu'il fallait, il y avait la ferme. Si c'était une ferme, il y avait de l'élevage, il y avait tout. Et il dit, il fallait s'occuper de la ferme. Et il dit, ouais, quand j'ai repris les vignes, j'ai voulu replanter ça. J'étais incapable de faire un dossier administratif. Ah. Donc, j'ai pas fait le dossier et du coup, ça a été... On fait encore deux appellations pour finir le tour. Vous emmenez à Nuit-Saint-Georges avec les CRA, qui sont les premiers crus. Un peu la même histoire que la Combe d'Orvault, les têtes de cuvée avant le phylloxérien. Et on finira avec les Corton. On a remarqué que les passages à premier cru, ça permet de m'assainer bientôt, puis infuser. Mais un passage premier cru, grand cru, c'est impossible, c'est une chose en question. Ouais. Oh, je ne sais pas, dans les prochaines années, ça, c'est impossible, c'est fini. Demandez à Thibaut Olivier Béler, qui c'est Saint-Georges depuis, je crois, 30 ans. Il pense qu'il va pouvoir aller faire repasser un grand cru. Et... Bah, c'est évident même, puisque les Saint-Georges, vous savez, les noms de la côte, c'est des noms à charnière. Oui. Allez, Gevrey, Chambertin. Deuxième mot, Vaune-Romanée, Jean-Claude-Denis, Saint-Georges. Si on prend sur la côte de Beaule, qui chasse à une branchée. Donc le grand cru, le nom du grand cru est associé au nom du village. Et donc, les Saint-Georges, c'est le grand cru de nuit, quoi. Et donc ça les droits, mais les nuitons, à l'époque où ils ont décidé de ça, ils n'ont pas voulu créer de jalousie entre les différents vignerons et ils ont dit non, on ne met pas le grand cru, on met en premier cru. Mais cette partie sud de nuit, donc la partie Saint-Georges, Chabeuf, Vaucrin, tout ça, d'emblée c'était potentiel grand cru. Et la partie nord de nuit, donc Crin, Richemont, partie des Murgés, pareil, était normalement tête de cuvée, grand cru. Quoi. Ouais. Alors, Nuit-Saint-Georges, premier cru, au Crin. Donc ça, c'est des nuits du Nord, que si on monte tout droit dans le coteau, derrière le restaurant La Petite Auberge, vous avez sûrement vu en face. Vous montez tout droit dans le coteau, vous êtes dans les Crins. En fait, les Crins sont séparés de Vaune-Romanée par les Boudeaux. Vous avez encore les Nuits Boudeaux. Et après, vous êtes tout de suite, vous n'êtes pas loin de la Tâche. Hein. Vous avez les Gamales qu'on sort, la Tâche, la Grand Rue, la Grande Liberté. C'est cette versant-là. Et ça, alors moi je vendange, et cette parcelle, il faut se flageller pour pas manger les raisins. Parce que ça fait des petits raisins très minants, comme des baies de myrtille, vous voyez, et des peaux épaisses, avec, on est obligé de mettre de la pression entre ses dents pour éclater la baie, et ça sort un petit jus sucré et acidulé, plus bon en bouche. Ouais. Et alors, au niveau aromatique, c'est extraordinaire. C'est une concentration de petits fruits noirs, baies sauvages et tout. Donc là, tout ce qu'on a dégusté, c'est sur le calcaire du Jurassique moyen. Donc des calcaires durs, hein, compacts. Le Corton, on est sur l'Oxfordien. Okay. Donc ça change beaucoup. On change de chapitre là. Et l'Oxfordien, c'est plus jeune, mais c'est des calcaires qui ont été plus altérés. Donc c'est des calcaires, il y a des zones calcaires et des zones marneuses. C'est presque de la roche en putréfaction, hein, parce qu'elle se délite complètement. Et donc, vous comprendrez que les racines, quand elles sont là-dedans, elles n'ont pas du tout la même difficulté à traverser le sol que dans les calcaires du Jurassique moyen. Calcaire du Jurassique moyen, s'il n'y a pas de faille, s'il n'y a pas de fissure dans la roche, les racines ne peuvent pas y aller. Dans l'Oxfordien et les marnes, ça arrive à cheminer à travers. Donc, c'est le cri en bouche qui est différent. Alors, on change complètement de complexité aromatique, là. Côte de nuit, elle est souvent fruits noirs, fruits rouges, etc. Là, c'est beaucoup plus difficile à cerner, hein, déjà. Et puis, je pense qu'on est... je vous laisse dire un peu, mais je vais pas vous influencer, mais moi, j'ai souvent des notes un petit peu pivoine, une figue, un peu pâte à négra, un peu pétale de rose, un peu... Enfin, voilà, ouais, c'est tout un registre. On est vraiment mi-coteau, là. Et nous, on est au-dessus de la voie Sérigny, en fait. La partie sud de Corton, ben, vous retrouvez, c'est là qu'on trouve les Cortons Charlemagne. Ouais. Eralos, là. Mm-hmm. Puis après, ben, vous avez tous les grands crus de Corton. Et le Rognier, c'est un grand cru qui est enclavé. Ma parcelle, j'ai un petit chemin qui longe la parcelle par le haut, qui tourne par le sud et qui revient au bas. Ce chemin par le haut, si je le traverse, je suis en Corton-Renarde. Ah, non. Mm-hmm. Si je fais 50 mètres au sud, je suis en Corton-Bressande. Bressande, ok. Et en dessous de ma parcelle, je suis en Corton-Vergette.
Décor. Donc, je suis enclavé, quand on le relève, c'est un petit violet jeudi qui est enclavé là-dedans. Décor. Si vous voulez, moi je dis souvent, voyez, entre mes côtes de nuit et mon courton, si je dois dessiner mes sensations en bouche, quand je suis sur la côte de nuit, je vais prendre un crayon fin et je vais faire un contour très précis, très limité comme ça, presque géométrique des fois. Et si je suis sur courton, je vais prendre un crayon pastel, le trait sera plus épais, voyez. Ouais, je comprends. Les limites en bouche, c'est moins précis. Bah, je dis pas que c'est moins bien, hein, mais c'est différent. Et pour moi, peut-être que si j'avais des grands crus en côte de nuit, je pense que Courton serait peut-être avant, et puis les côtes de nuit en grand cru peut-être après. Ouais.